Quand il n'y en a plus, il y en a encore, allez vas-y, ça va couper. Bon voilà, disparition de mon gros potiron. Ça part sur le feu pour les animaux demain. Et j'ai demandé à Sophie pour avoir un gâteau au chocolat. Donc ce truc, normalement, devrait se transformer en gâteau au chocolat. Affaire à suivre. Et oublie pas de faire tes graines pour l'année prochaine, sinon t'auras pas de nourriture l'année prochaine. Je vous l'avais dit que mon potiron, il allait se transformer en chocolat. Ah, punaise, cette odeur de chocolat là. Moi, je suis un gars du sucre, alors laisse tomber. Bon, bref, t'as fait quoi là? Tu l'as fait fondre à la cheminée? Je Je l'ai vu. fais en Après, combien de purée. sucre? Moi, je mets 100 grammes. On peut aller jusque 150 grammes. J'ai mis un peu de rhum, un peu de Ah gingembre. ouais, beaucoup de rhum, rhum et du rhum même. Une cuillère de bicarbonate. Ah ouais. Voilà. Chocolat fondu. Ouais. 200 grammes de farine et 3 œufs. Donc je vais tout mélanger. Du jardin, potiron du jardin, chocolat pas du du jardin. Farine du voisin, non, du champ. Mais non, c'est même pas en fait. Après, de France, de France, et de France, faut dire maintenant. Chocolat de France, farine de France, tout français. Hein. Après le chocolat, on met du chocolat parce que t'aimes ça, mais on peut le faire nature. Hein. Ah ouais, mais non, mais ouais, mais non. C'est un plus dans le plus. Donc nature ou avec des noix hachées, des raisins, peu importe, des morceaux de pommes. Et après ça va partir sur la cheminée. Parce que le four, c'est pour les riches. Et ceux qui calculent pas la consommation de gaz. Pour les riches quoi. Ici on n'achète pas de levure, du coup on met de la bicarbonate, mais on peut mettre un paquet de levure. Hein. Ouais. Mais ouais, non, on n'a pas. Du coup, tu fais bicarbonate vinaigre ou que bicarbonate? Non, que bicarbonate. Non. Que bicarbonate dans le machin là. Bah oui, t'aimes pas trop quand ça lève, toi, t'aimes bien. Bah, moi j'aime bien quand il est pas trop levé, ouais, pas trop épais. Texture flan. Ouais, j'aime bien quand il fait 3 cm, qu'il lève pas trop. Ouais. Après, je l'ai mangé, bah je l'ai tué là, le dernier qui était fort grand. Mais je sais pas, j'aime bien, ouais, flan. Un cuit pas trop cuit. Même des fois quand tu dis il est raté, bah j'aime bien. Mais en fait, il m'a raté, mais il est trop bien. Pour toi, il est raté parce que tu t'attends la perfection. Mais tu peux pas avoir la perfection dans ce mode de vie de dingue sur une cheminée. C'est impossible. Bon, bref, on va pas tout leur montrer quand même. À tout à l'heure. Ouais, c'est bon, c'est fait. Là, on l'a mis sur des briques pour le laisser un peu refroidir, réchauffer un petit peu. Voilà, c'est cuitasse, c'est cuitasse. Allez, à table. Oh, ouais. Flambi, flambi, chocolat, potironus. Oh là là, la qualité.